Bonjour à tous. On apprend ce matin qu'un projet de loi du gouvernement, accélération, simplification de l'action publique, le mot est beau, va déstabiliser très fortement les pharmacies qui sont derrière moi en autorisant la vente en ligne par des géants d'Internet. Il ne s'agit pas d'interdire la vente en ligne par les pharmacies, les officines qui s'y sont mis. Simplement, aujourd'hui, la loi oblige à ce que la vente en ligne soit faite à partir d'un stock qui est dans la pharmacie. Avec le nouveau projet de loi du gouvernement, eh bien, il n'y aura plus besoin d'avoir le stock dans la pharmacie, ce qui veut dire qu'un géant comme Amazon, mais aussi d'autres géants pharmaceutiques, pourront vendre en ligne directement à partir de stocks dans d'autres lieux que dans la pharmacie. Cela pose un double problème. Un problème de santé publique, parce qu'on demande aux pharmaciens de reprendre derrière le comptoir les médicaments sans ordonnance. Et là, on va faciliter leur diffusion par une simple commande en ligne, avec tous les problèmes de mauvaise interprétation des médicaments. En un mot, d'un côté, on oblige les pharmaciens à faire preuve de discipline, et c'est bien. Et de l'autre, on va permettre aux géants d'Internet de diffuser des médicaments en vente libre, sans aucun contrôle, sans l'aide d'un professionnel. Et puis, cela pose un énorme problème de concurrence et d'aménagement du territoire. Car si on tue les pharmacies, qui sont le dernier poumon dans nos villages, dans nos centres-villes, dans nos banlieues, le dernier élément d'écoute après la suppression des médecins qui s'en vont, s'il n'y a plus la pharmacie, parce qu'on la ruine pour favoriser en vérité des multinationales américaines qui ne payent pas les impôts en France, eh bien, on va aboutir à un désastre d'aménagement du territoire et de santé publique. En fait, ce gouvernement, vous le voyez, est profondément malhonnête. Car dès qu'il y a une proposition de loi avec des titres ronflants, simplification, accélération de l'action publique, on s'aperçoit derrière qu'il y a des petites mesurettes, mais qui sont des mesures qui, comme de l'acupuncture, vont avoir une influence considérable, qui sont au service d'intérêts de grandes multinationales. En fait, Emmanuel Macron et son gouvernement sont vraiment aux mains des lobbies de toutes celles et de tous ceux qui ne payent pas leurs impôts en France et qui veulent profiter du marché français. Alors, je défendrai jusqu'au bout nos officines, nos pharmaciens. Ils font de longues études. Ils sont là, non pas pour vendre, mais pour accompagner, pour soigner. D'ailleurs, on leur confie de nouvelles tâches. Alors, pourquoi leur confier de nouvelles tâches et de l'autre côté les ruiner? Je défendrai à debout la France avec notre déléguée nationale à la santé, Véronique Rogez. Nous défendrons nos officines car c'est un élément du maillage de santé publique. À bientôt.